Spectacular, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo super méga courte, c'est juste une seule info, mais elle est incroyable. Le titre de l'épisode numéro 13 de la saison 4 de Miraculous a été dévoilé, je vais vous partager ça et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc du coup on se retrouve sur le Twitter de Shikara et tout simplement il nous a dégoté le titre de l'épisode 13 de la saison 4 qui se situait tout simplement sur eh bien le guide de la chaîne allemande qui diffuse Miraculous. Donc je vais vous lire simplement le petit synopsis. Donc l'épisode s'appelle Optigami, en tout cas ça c'est le nom je pense allemand. Donc l'épisode s'appelle Optigami tout simplement et le synopsis nous dit: que se passerait-il si le papillon recréait un super vilain terrifiant alors que Marinette et Adrien ne pouvaient pas se transformer en Ladybug et Chat Noir? Alors, what? Pourquoi il pourrait pas se transformer alors que Marinette est la gardienne? Un super vilain terrifiant, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement un super vilain ultra puissant. Franchement, cet épisode, déjà, ça donne tellement envie. Bon, après, c'est l'épisode 13, hein, ça sera pour dans un petit bout de temps, mais on a déjà une date de diffusion allemande, c'est-à-dire que l'épisode est prêt. Et d'ailleurs, nouvelle info, mais les infos fusent, hein, c'est incroyable. Monsieur Pigeon 72 a disparu, tout simplement du programme de Disney Channel Allemagne. Donc, probablement parce que l'épisode n'est pas encore prêt. C'est assez étrange, sachant qu'il l'avait mis, donc bon, je comprends pas trop. Et sinon, du coup, la date de sortie de Optigami en allemand, ce sera le 30 mai à 18h50 heure locale. Donc pour la France, ça fait également 18h50 vu que si vous êtes pas trop nul en géographie, vous savez que l'Allemagne est juste à côté de la France. Donc il y a pas de décalage horaire. Donc du coup, bah apparemment l'épisode 13 serait également prêt, c'est super cool. Manque plus que l'épisode 4 et 5. Il me semble qu'il manque également le 7 et le 10. Mais en tout cas, les épisodes manquants commencent à arriver. Donc ça c'est plutôt sympa. J'espère qu'on pourra reprendre une diffusion rapidement parce que cette saison promet d'envoyer du lourd. C'était Blue, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. T'as qu'on va repasser en full cam comme ça. L'abonnement également avec la cloche des notifications. N'oubliez pas, si vous jouez à Fortnite, de mettre mon code créateur YTBLUE dans la boutique et d'aller checker tous mes réseaux sociaux. Et si vous voulez et que vous pouvez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre afin de devenir sponsor de la chaîne. Ce bouton inclut une vidéo qui vous présentera tous les avantages liés à ce bouton. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus. Thank you.